Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur LTG. Louange, témoignage à gloire. Non, pas monsieur pasteur Jean-Moïse Dantus, moi venu avec des invités, n'a venu avec des personnes qui ont fait des travaux dans le royaume, non, pas jamais connaît. Ou bien on connaît autour, mais par contre, valeur, ou par contre, qui ça que yo, bon Dieu, Léo, pour faire. Pour cela, il est capable d'être minimisé. Mais nous venons avec LTG qui c'est louange, témoignage à gloire pour voir tout ce qu'a fait de prophétique, pour de miracle, pour le capable voir aussi manifestation de gloire et qu'a fait dans le royaume Christ là. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous pasteur Franz Miralus de Life Living Word Ministries International qui l'a ensemble avec nous comme invité spécial et que pour la première fois dans la rencontre là et qui peut apporter pour nous quelques informations soit en parole ou bien the rhema, the revelation. Pasteur Franz Miralust, bonsoir, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Bon Dieu béni vous. Bon Dieu béni nous, pasteur Moïse, son bénédiction pour nous que nous capables là. Amen. Dans la house là que grâce bon Dieu capable couvrir. Praise the Lord. Donc, pasteur, parlez-nous un peu de vous-même, présentez-nous un peu. Bon, non, nous c'est Franz Miralus, nous mariés, nous avons, madame, nous sommes ministres et tout. Non, c'est Idaline Miralus, aussi, nous avons 4 enfants, 3 filles, un garçon, Francisca Miralus, Kendrick Miralus, Abigail et Nadassa Miralus. Amen, amen. Donc, madame, nous sommes ministères ensemble avec vous, c'est un privilège énorme que vous gagnez. Pour madame capable administrer avec vous pour traverser à aller vers l'avant. Donc nous bénissons bon Dieu pour ça. Pasteur, parlez-nous un peu de ministère côté localisé qu'il y a dans moment ça. Bon, nous disons bon Dieu merci parce que bon Dieu a fait un travail dans la vie nous côté que bon Dieu font un shifting in the spirit. Amen. He want us to move out and bring the gospel, bring the word to a different type section. He just spoke to us and bring the nation to the bring the word to the nation. Amen, so amen. We're not staying in one place, but we're moving out right now. Praise God has opened many doors for the gospel to preach right amen, now. Amen. 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 Praise the Lord. So tell us about a little bit more about you said God has opened doors for the ministry to for ministry for you. What is God doing for you in this what season? God is doing right now in this season is God is opening more doors for us to preach revivals, for us to preach at conferences where we can go and bring the word and release people amen. From amen. Darkness. Amen. Praise the Lord. Pastor, tell us a little bit about how you came to the Lord. But when I came to the Lord, it was something so powerful. I was about the age of 12 years old when I was in Haiti. I went to a conference, Malon Conference. V1. Et puis que bon Dieu lui-même, na grâce li, na amour li, na bonté li, na bénédiction li, il se voit Dieu qui est fidèle. Et puis même côté Alan, et puis bon, on a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Amen. So, qui pour ça est important pour toi ou même à 12 ans accepter Christ comme sauveur personnel? Parce que vous faites dans l'évangile. Nous faisons dans l'évangile, nous sommes capables de nous faire dans l'évangile. Bon Dieu, à l'âge de 7 mois, mon homme était converti. Et puis, même côté à la, l'olive dans l'évangile, nous sommes capables de nous faire dans l'évangile. Nous sommes capables de nous faire avant coup, bon Dieu, vous êtes capables d'accepter. That's right. On vivait, puis même quand nous avons bon Dieu la vie. Nous. Donc, il y a des gens qui ont regardé là, qui fait dans l'évangile. Ce qu'a dit, qui est important. Pour qui est important si? Qui est important, c'est qui est important. Là que vous acceptez Jésus comme ça, vous connaissez là, son bagage personnel lié. Premièrement, mon cas est aidé ou lui qui a introduit you to the kingdom of God. Et bon Dieu, mais où devrait-on travailler personnellement à vous-même? Because le salut est personnel. That's right. That's Amen. Right. Le regard dans la Bible où quand on pile mon accepte Jésus, quand on voit Samuel. Il va bon Dieu, il dédicace la ville bonheur avec bon Dieu. Il est très important, l'on jeune, bah bon Dieu, ville bonheur, l'accepter personnellement, bon Dieu qui a introduit et enseigné mon ça en présence de bon Dieu. Pastor, tell us a little bit about your ministry. I'm just waiting for them now to get the white shot Amen. So that I can show. I'm sorry, we're learning Amen. The process so we can fix the camera. Amen. It's a learning process. Okay, very good. So now, Pastor, tell us a little bit about your ministry. What has God called you for? But God has called us. This is very important. First of all, we have an encounter with the Holy Ghost. When the Holy Spirit touched our life when we was
Et nous tenons l'église, l'église côté premier nous tap marché, que bon Dieu t'ait touché la vie nous. Côté présence bon Dieu touché nous, côté nous faire enseignement avec les enfants, nous nous sommes professeurs à l'école de dimanche et puis nous t'ai enseigné avec la jeunesse, côté bon Dieu t'ait touché nous même personnellement. Même côté bon Dieu touché nous capable ouais que c'est commencement ministère nous. Et on a sens que nous venons comprendre bon Dieu au niveau qui pire. Amen. That's very very nice. What I want to ask you at the moment is give us a short testimony of you know something supernatural that happened in your life que capable compter que bon Dieu fait pour et qui mène comme un point de repère dans royaume là. You know ma que m'écoute, m'ka pas un témoignage que bon Dieu fait pour nous. M'songe j'étais grand monde qui était derrière et tu nous mais à cause peut-être ton geste qui fait descendre la caillou mais bon Dieu fait nous grâce ça pas arrivé on le disait on le témoin à moi ben encore bon Dieu révélé moi parce que j'aime dans Haïti ça gagne à peu près 10 ans de cela m'ta Haïti les moi en Haïti je fais me connaît gon zingle dans zone là cap garder ca là toute femme moi était paix. Et puis même côté à la moi même prend genou moi prend le psaume 91 celui qui est sur l'abri du très haut repose à l'homme du puissant. Amen. Quand à l'instant même nous met genou à terre nous pas peur parce que avant nous à Haïti nous prier nous genou demander bonne direction pour Haïti nous capable de sa serviteur que dans même joie monde qui était vraiment à estider tu nous zinglin droit dans même joie arrêter. Il a arrêté. Je suis capable de dire ça très important, serviteur. Sous un café malfait, qui a fait mal, besoin de travailler avec bon Dieu, pas quitter l'attaque en homme de Dieu. Non, pas supposé attaquer homme de Dieu, parce que, you know, ou cap prendre un gomme. Ou cap prendre un gomme. Oh, yes. Amen. Very phenomenal, very good, pastor. Mm-hmm. Let me ask you another question for the people that are watching. Mm-hmm. Si tu as un monde dans un moment ça qui t'a traversé un moment difficile, est-ce que monde peut appliquer sur ce dia-là? Yeah, li ka aplike because wam bon Dieu so it's a process. First of all, the process that you need to know, you need to know Jesus Christ is Lord. Ou do accepter Jésus comme sauveur. Le moment où accepter Jésus comme sauveur, le Saint-Esprit vient l'habitant dans ou l'enseigne comme bon Dieu. Et deuxièmement, ou besoin gon l'église qui pour enseigner bagage ça pour avancer vers l'avant. Very good. So pastor, so you believe que pas gain Saint-Esprit, ça mean et pas gain Saint-Esprit non que don éliminé ou bien don cessé ou bien don continué. Lorsqu'il y a, quoi, je crois non, quoi, dans Corinthiens chapitre 14, il parle de tout gouvernement of the church. Il veut réaliser que là que sans le don du Saint-Esprit dans l'église, on pas qu'à distinguer comment pour l'église a grandi. Right. Chaque don quand là que si c'est même qui pasteur a ou que l'autre monde qui va former l'église là. Yes. Après on former l'église qu'on y a là pour former nous pour connait qui doit gagner comment moi j'ai capable de travailler avec eux parce que bon Dieu pas les seul pasteur pasteur mais que l'autre monde dans l'église pour job leader à pasteur a c'est pour capable de développer dans chaque église là qui doit gagner là pour le seul bon Dieu capable de travailler. Et tu as raison pour l'église à avancer vers l'avant. So you believe that the gift of the Holy Spirit is still in operation. It's still in operation sans without the gift, le moment le gift of the Holy Spirit par opération, c'est le Christ venu. Depuis l'église enlevée because it's the right now and kunya na vivre dans la dispensation du Saint-Esprit de Dieu. So question dans le poser là qui t'en répond ni c'est que et moun qui pas croire qui soit t'a dit pour moun t'a croire que Saint-Esprit still en opération pour tout qui t'en répond ni parce que nous dans dispensation que nous y en là donc you know what it's about Saint-Esprit Dieu. Saint-Esprit Dieu pas fini. Jésus dit dans Jean chapitre 16 Saint-Esprit Dieu pas fini pour parler de tête parle. That's right. Il vient pour parler de Jésus. Yes sir. C'est l'esprit de vérité. That's it. Qui vient qu'on a pour parler de Jésus-Christ. Et c'est ce que je viens qu'on a là pas parler de même la parole de Jésus-Christ. Différence qu'il est même qu'on a là, c'est manifestation puissance lui. Because les manifestations puissance l'esprit de mon côté ou est changement. Ou est différent. Parce que les présences cet esprit de mon côté, il y a une très grande différence. So now Joel 2:28 says il dit que bam li pour nous dit après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Talk to us,
In this season, what do you see happening? What is God talking to you in this season as a man of the Spirit, as a child and a student of the Word, and somebody who really delve in the Word? What do you see happening right now in the supernatural? That's a good question. Nous n'avons pas encore de Christ pour venir. Et c'est un moment qui est vraiment dangereux dans le monde visible. Right. Dans le monde naturel, mais dans le monde supernaturel, c'est grâce puissance bon Dieu capable de plus petit bon Dieu. Mon a une au sort verset là qui clair qu'on y a là. Ou a une pile des jeunes hommes a grand pile révélation. Ou après qu'on y a là présence bon Dieu a manifesté nos formes qui plus grande. La araboche a fait le praise God. Yeah. Enlève mes noms. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. We give you the praise. Hallelujah. Nous nous merci dans moment ça pour grâce. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Oh yes Lord. We believe. Béni non. Nous bénis oh yes, Arabamu kante kerebe bokshan de Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Praise God. Amen. Yes. Praise God. Thank you, Jesus. Pendant mon Dieu là qu'on a un moment ça, ou même qui a des difficultés, ou même qui a des problèmes, ou même qui a des tracas, Jésus là pour répondre nous. Because faith is now. Amen. Alléluia. Ou même qui pas travailler quoi que bon Dieu, alléluia. Il dit lorsque lui-même l'argent appartient à lui-même, lui qui a ouvert porte pour le bon travail qu'on a ou seulement on fait ou besoin croire seulement. Moi quoi au nom de Jésus, alléluia, en pile témoignage. Ah, hallelujah. Oh, glory be to God. Thank you. We give God the praise and the glory now. Amen. Hallelujah. Father, we give you all the praise and all the glory. Thank you, Jesus. You're worthy of all honor. You're worthy of all honor. Praise God. And then I'm going to ask you another question, Pastor, and that is very important. So to conclude what we were talking about, you said, what do you see happening right now? It's a très belle question. Je me dis, présence bon Dieu a mouvementé dans le moment ça. This is the year 2015. It's the year of visitation of the Holy Spirit. It's an usher of the presence of God. Ça fait dire, nous venons mon kounya là, l'église, moun yo besoin de passer plus de temps dans adoration et louange, mais de présence bon Dieu pour envahir l'atmosphère là. Yon deuxièmement, pour ne pas garder des têtes par eux, parce que le bon Dieu en action kounya la présence bon Dieu a fait kounya là. À cause de peuple bon Dieu qui a prié kounya là, ça cause, alléluia, l'église a mouvementé au dehors. Yes, alléluia. Yes, yes, non seulement l'église a mouvementé avec pasteur leader, mais moun ki la kounya là, vin gon désir, gon chale, présence bon Dieu la vie kounya là, il faut que l'immobiliser, évangélisation kounya là, toucher notre. Il y a un bail qui est très important. Nous besoin qu'on est comme homme de Dieu, qui très important. Nous doué, nous voulons qu'on y a là. N'a plus longtemps. Nous te dis encore, c'est si bon Dieu à visiter peuple qu'on y a là. Son temps de manifestation, son temps de démonstration, c'est si bon Dieu à venir avec peuple. Ou après, on a passé des heures, a passé des heures. L'être l'exercer, grand changement qui fait. Parce que Christ a venu qu'on y a là, faut nous convertir. Amen, 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 amen. Et une conversion n'a pas les Saint-Esprit a un grand rôle que l'a joué dans saison donc c'est temps parler now. Amen. Pastor, what has the anointing do for you in your life? I'm capable to say without the anointing I'm nothing. You know what is important is the anointing that's break the yoke. Is the anointing that's changing life. C'est lui même qui crase fait noir. See, when the enemy see the anointing, he has to leave. Right. What costs the anointing to go in anybody, in right, me, any right, man of God? Right. That's very important. It's relation with God in the presence of God, personnel. That costs the anointing to go. Anointing to do a lot. It protects my family. It creates an atmosphere of peace, an atmosphere of joy, an atmosphere of prosperity. And then an atmosphere that we have to carry in the presence of God, searching for the evangelist. I believe it. I think with the anointing, we are covered. Protection. Psalm 91. Everything. Yes, Hallelujah. Psalm 91. Everything. Life. So it's important to keep the anointing. It's important to try. For me, I believe que l'important que pour nous pas à chercher faire combat que bon Dieu parle de nous faire.
en façon pour nous pas frapper et pour famille nous tout pas frapper, vous comprenez? Parce que l'impératif, si bon Dieu pas voyé au côté, frère, puis go aller parce que ou a frappé et il ne faut qu'à tourner à bagarre la car qui pas frapper famille. But thank God for the anointing while you are under the anointing, you are covered. You covered and this is so beautiful. So now pastor, I want to release you right now. If somebody wants to ta vle invite au prêcher kounya dans l'église yo. Donc adresse en pasteur France, c'est kababa numéro téléphone là. Le kababa téléphone c'est 305-343-0077. Et sur Facebook, vous pouvez contacter avec vous à France Miralus. And then nous aussi parle ba email address ou c'est lifelivingword@yahoo.com. lifelivingword@yahoo.com. Praise the Lord. Thank you, Jesus. While they're looking for it to put it up there, Pastor, what is God putting in your heart you want to share with the people God today? God give us a rhema word. Amen. 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 Because praise God. Rhema word, it's a word that's come from heaven. Amen. From the death of God. Amen. 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 I believe it. Because we need to live the rhema word, which is so powerful, the revelation. Revelation. God spoke to me, I'm coming to him, said, Lord said, teach my people faith because that's what overcome the world. That's faith right. Overcome the world. Yes, et sir. Jean chapitre 5, verset 4, verset 4, c'est la foi qui bat nos victoires. Right. Sur le monde. Amen. Yes, so if he not only gave us victory over the world, he gave us victory over Satan. Mm-hmm. Because faith stopped the enemy. Amen. The word that we want to bring to the people is the basic, the foundation, and the principle of faith. Amen. The basic, the foundation of the principle of faith. Amen. 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 Si d'après Bible nous, nous capable voir que moun cap côté dans moment ça, prend Bible nous ensemble avec nous, quelques basic, amen, n'a ba ou quelques principes de la foi qui très important, c'est parce que sont capable voir que la foi très important. Si nous faisons Bible ensemble avec nous, on apprend dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. C'est premier, m'appli bien vite pour même because à cause du temps. Amen. Yes. Il dit now faith is the substance of things hope for, the evidence of things not seen. Amen. M'a fait dit toi râler sur commencement na faith. Le premier mot que connaît faith, la foi. Amen. It's now. God is a now God. Yes. God when God operating is eternal. Hallelujah. Bon Dieu éternel. Bon Dieu pas vivre dans temps. C'est nous même l'homme qui vivre dans temps. God is eternal. God is eternal. Amen. So when God show up, eternity show up. Amen. Amen. So amen. God always now. Yesterday for God is now. 20 years from God is now. C'est nous même qui vivre dans temps. Amen. So whenever you ask God for something, is now. Bible que la foi c'est kounya lié because the Bible said faith is the word is a present tense. Amen. So therefore, faith must be now. So when we approach God, we got to acknowledge, my God is now. Amen. Amen. Whatever that I'm asking, God is operating now. Whatever I need from God is doing it now. Amen. God is a now God. Amen. Bon Dieu, nous sommes Dieu qui éternel, la vie kounya. Amen. Le moment, pensez à vie nous-mêmes. La Bible, il faut qu'on est dans Jérémie, il faut qu'on ait avant penser à rentrer dans la personne, bon Dieu, quand on est. But God is a faith now. Whatever that you gain, what the bon Dieu a déjà fait déjà. Ma bonne de trois bagages qui important sur la foi. La foi, li marche par l'amour. Faith work by love. When you read in Galatians chapter 5 verse 6, faith work by love. Amen. Faith work by love. So, ou doué comme ça. La foi marche par l'amour. Deuxième bagage ou besoin qu'on est qui très important. Faith is a law. La foi son loi lié. Lord in Romans chapter 3, verse 27, we have the law of faith. Faith is a law. The law that running the kingdom of God. Loi cap dirige royaume bon Dieu. Amen. C'est faith. You must enter to God to faith. And then that's what pleasing God. So you have faith is a law, number one. Romans chapter 3, verse 27. And the kingdom of God is working by the law of the spirit and life in Christ Jesus. Romans 8, verse 2, dit que ça que royaume bon Dieu a marché par l'esprit of life in Christ Jesus. L'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. The law of the spirit of life in Christ Jesus. So, therefore, the kingdom of God has set of rules. He has set of laws that he worked through. Job nous se nous connaît set of the laws. Premièrement, nous disons, la foi, it's happening now. Deuxièmement, nous faisons nous connaît la foi, it's a law.
Troisièmement, il faut connaître la foi son force spirituelle liée. Amen. So, trois, quatrièmement, nous faisons connaître ce qui est important. Okay? How to release faith. Comment on peut relâcher la foi? Alléluia. Qui est très important. Comment on est capable de relâcher la foi? La Bible, il faut connaître comment on peut relâcher la foi. Je vais vous dire ce qui est important pour commencer à relâcher la foi. Lorsque dans Romains chapitre 4, verset 10, faith call things. Amen. Faith relève les bagages qui pas existé, faire exister. Me dit ça encore fait frère les bagages qui pas exister puis au capable exister amen dans moment ça ou même qui pas travail relé travail wa kounya because faith is now amen ou même qui bagé ti moun relé ti moun wa kounya because la foi c'est kounya lié because faith called those things that are not as they were because faith called things God himself called things la bible fait nous connait dans hébreux chapitre 11 verset 3 la bible fait nous connait ni dans hébreux 11 verset 3 ni dans Genèse chapitre 1 verset 2 bon Dieu les lumière fut amen God speak to things things must come according to God amen qui est très important so therefore ou besoin qu'on ait dans même que la foi li réel amen there's two kind of faith there's knowledge of faith there's the knowledge of faith there's the faith of God what is faith of God faith of God is believing in his word qui ça la foi croire dans parole bon Dieu Jésus dit ni comme ça dans Jean chapitre 16 verset 23. Il dit comme ça que si nous demeurons dans moi-même, nous demeurons dans parole moi, papa a vinn rete ensemble avec nous, m'a vini pour manifester ensemble avec nous. So therefore, you must faith must come by the word. How does come faith? How does faith come? Comment la foi vient? La Bible fait nous connaître faith come by hearing, keep hearing. Comment God ça fait? You must keep hearing the word. Ou doit attendre des paroles là. Ou doit attendre des paroles là. Il dit build faith. Faith must grow in you. Amen. M'balba ou 5 verset m'ta dou marqué ou pas besoin garder qui très important because God require us. Bon Dieu mande nous juste là doit marcher par la foi. Juste là marcher par la foi. M'balba nous 5 versets ou même qui gain plume nous ensemble avec moi qui très important. Most you are those 5 verses I'm giving those 5 scriptures m'balba kounya là, li important pour même pour connaître heart faith amen. C'est bon Dieu mande ça. Habakkuk 2 verset 4. Deuxième verset à Romains 1 verset 17, li require pour moun k'ap chache bon Dieu marcher par la foi. Troisième bagage li mando dans 2 Corinthiens 5 verset 7, li mande 2 Corinthiens 5 verset 7, li mando pour juste la marcher par la foi. En troisième, quatrième verset li baou, c'est Galates 3 verset 11. M'a bon 5 verset, quatrième verset à Galates 3 verset 11, li mando pour vivre par la foi. Amen. En quatrième verset m'a mando, m'a baou c'est Hébreux 10 verset 38 ou même cap suivant comme bon 5 verset yo Habakkuk 2 4 Romains 1er verset 17 2 Corinthiens 5 verset 7 Galates 3 verset 11 Hébreux 10 verset 38 amen pour obtain things in this life you must have faith amen faith can go in the enemy camp and take what the devil steal from you he takes peace faith can take joy faith can take children that you don't have faith can go in the enemy camp take whatever that God has for you so it requires every believers to walk by faith because c'est lui-même qui please God well because faith is the force is the root of heaven amen that's very important moi veux teach you the principle of faith. Jesus himself, Jésus lui-même, lui enseigne nous principe de la foi. Amen. Ou même qu'à suivre avec nous, ouvrez la Bible encore avec nous dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11 verset 14, Marc 11 verset 14 et Marc 20 à 24. M'blé qu'à suivre verset 20. Jésus a passé nous comment qu'a appliquer la foi. C'est un passage qui est très important ou capable connaître comment ou qu'a relâcher frère Jésus a pensé disciple ça. Premier bagage Jésus fait nous connaître l'ordre dans Marc chapitre 11 verset 14. Pendant Jésus était sur route, il t'a prêché, il t'a évangélisé. Jésus on fig tree. L'elle garde sous fig tree a, li wè fig tree a pa gon grain fruit sous lui-même. Jesus gonna spoke 9 words on that tree. Jésus pral parler 9 mots sous pied bois ça. On garde ça dans Marc chapitre 11 verset 14. C'est de ça Jésus dit. Jésus dit ça and Jésus dit us answered and said unto it, no man eat food of the hereafter
forever. Only 9 words. Si, fè fama nou pa kèbè, li mande konsantrasyon nan bon Dieu, kon sa wap di ya. Jesus spoke 9 words, Bibla di ou, mèm kote atisipe yon tende sa. Mèm kote atisipe yon tende sa, la Bible fè konè, Jésus fin di 9 parol la, l'ale a Nazareth, li toune bak, nan toune bak. Disip yo di, lò li nan verse 20 hein, a 24, disip yo di, Jésus, gade piye fwi ya, ou te curse la, it curse from the root. It curse from the root. So Jesus said, I'm going to teach you the law. I'm going to teach you how to release faith. Ma pense comment ka relâcher la foi. Ma pense qu'on est capable utiliser la foi. Ça très très important. So in Mark chapter 11 verset 20 à 24, Jésus dit comme ça verset 20. Jésus finit qu'on est là les disciples finissent ça verset 22 dit comme ça. Jésus dit reply said to them, have faith in God. Have faith in God. Constantly, have faith in God. Constantly, what's that mean? Kisa sa vle di? Gain the faith of the faith, the same faith that God has. How can you have the same kind of faith God has? Comment ka gain la même foi que bon Dieu mande pour gain même foi bon Dieu a pitié ya. Bon Jésus mande, you must have the same kind of faith that God has. Bref, montre comment la foi relâche. How to hold on to your faith? Lord, in verse 23, li di ou. Jesus says, verse 23, I say unto you, whoever shall say unto this man, pass into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe, whose thing that which you ask, it shall be done. Creia akunya la, faith required to speak. The devil have to hear you. Jabra says that the Lord parle because faith require to speak to things. Amen. La foi mande pour parler à choses. Amen. Bagay ki pa existe pou existe. Amen. So therefore, Jesus Christ giving you the analogy, he give you the secret how to release your faith. Comment ka relâcher la foi? Amen. Comment ka relâcher la foi? Comment ou ka relâcher la foi? Comment ou ka relâcher la foi? You have to speak to the mountain. Problème qui devant dans son montagne. Yes, hallelujah. Yes, amen. Yes, see, he didn't say mountains. Yes, put it, which is plural. Yes, he said mountain. One mountain. Problème qui devant dans son montagne. Jesus said, you must speak to it. Mm-hmm. See, Jesus said, Jean 6, 63, Jesus, Jésus dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Mm-hmm. Mm-hmm. When you speak to things in faith, he must be moved. Yes, sir. He must release. He must leave. Why? Because faith is now. Mm-hmm. See, faith is now. Jesus said, speak to the mountain. That means clear. If you do not doubt in your heart, the enemy approfine parlon parole. Ouman de bon Dieu. Approfine de bon Dieu. Akouni ala. Enemy attack. On parle bon exemple. Sam se dit kouni ala. Mette kouni ala. Ou fait cancer. Ou ge cancer kouni ala. First thing you need to know right now, how to release your faith. Mamando, comment ka relâcher la foi? Ta ko somon ki ge cancer kouni ala. Tout pour ça comme exemple. Second qui va la kouni ala, ma bon exemple comment ka relâcher la foi pour une guérison dans mes bon Dieu. Amen. Amen. The first thing you do right now, ou pas paniquer. That's it. Because God is the author of all things. Amen. Nimo de kouni ala, you must go in the word, aller na parola, chercher verset qui appliqué avec problème ou un, right. Pour parler avec montagne. Right. Because toute bagarre qui derrière, il y a une force derrière. Amen. 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 So it's the word of God can move that force. Mm-hmm. It's a mountain. So job ou kounya la, m'balbon deux versets qui appliqué sous ta ronde moukola qui mal kounya la pour appliquer la parole de Dieu. Mm-hmm. La Bible fait nous connaître sous Allah Esaïe, ça veut dire Esaïe 53, verset 4 et 5. Yes. So la Bible pour connaître la que m'basse m'konem na temps mouye kounya la, a marqué verset Esaïe 53, verset 4 et 5, il marqué pour même qui est très important, qu'est-ce que Jésus fait pour m'balbon. Esaïe 53, 4 et 5. L'autre verset m'le bas encore, c'est Matthieu 8, verset 17. Qui dit que Jésus vient nous connaître là, il peut toute infirmité nous. Mm-hmm. Il peut toute maladie nous connaître. Acknowledge that Jesus Christ take my sickness. That's it. Jesus Christ pour infirmité nous. What was the scripture, Pastor? Scripture que nous baille, c'est Matthieu 8, verset 17. Amen. Mm-hmm. Il parle que like, bon Dieu pour infirmité, bon Dieu pour maladie nous. Mm-hmm. On a un verset qui est clair encore, qui est très important, c'est 2 Pierre 2, verset 24. Mm-hmm. By his stripes that I'm healed. We are healed. We are healed. We have to acknowledge if you were healed,
Jesus Christ provide for you. Mm-hmm. Healing is for you right now. Mm-hmm. So what I'm doing right now, ou lò akotoun doktè koun yala, le doktè a fin gade ou, if you're concerned koun yala, li bo de prescription. That's right. So your job right now, I give you some prescription of some verses. Mm-hmm. Your job right now, every day, believe, kwe ke, aleluya, chak matin, chak sa koun yala, wap osite verse sa ou. Yes. It's like taking the verse of the word and then let the word. It's like a prescription. It's a prescription. And then you keep taking the word in you. Mm-hmm. What the word going to do? It's going to build faith in you. I believe it. So that's the reason why there's one part of the verse I haven't get there yet. Believe. Mm-hmm. You only believe once, but you need to keep confessing the thing that you believe God. I believe. You believe God once, but you keep confessing what God's word says. Mm-hmm. Because God's words create the atmosphere of power. God's word create the atmosphere of deliverance. God's word create the atmosphere for breakthrough. God, the moment you start praying right now, malady, locus of consequences, the word of God is Jesus himself. Yes, sir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. So the moment la parole take over you right now, you become pregnant of that word. Amen. Oh, yes. You become pregnant of the word of God. That word start manifesting inside of you. Wow. The sickness cannot stay. Hallelujah. Wow. Praise the Lord. That sickness, Pastor says, you can't add anything what the Lord put in Well, what I was about to say, Pastor, is like, it's not like we are sick trying to be healed. We are healed. So we're keeping our healing by the application of the word of God. Amen, so it's not like I'm sick and I'm trying to be healed because Christ already healed me. Amen, by his stripe, I am healed. Amen. You know, by his stripe, I was healed. So it's not like I'm trying to race from the back and trying to come up front. I'm already there. So now the application of the word is what's going to allow me to sustain myself and lay hold of my faith, and that's going to put me in the position of transformation. And the word is my prescription that I have to take every day, and that helps build my belief to know that there's something in me that needs to know every day, to be renewed every day, night and day. I have to be renewed in the word. And Pastor, I think that was a powerful word, but right now, let's see if we can minister to a few people, because we're going to a close right now. There are people out there that are watching me, and you may be suffering from any kind of stuff right now. Let me tell you that God has a plan for you. God has a plan for you. I want to tell you that your life is not yet over. There's a lot of thing that has to be done to before you can say goodbye to this life. God is with you. And now the man of God was just talking about faith. I want you to activate your faith, because he's about to pray for you. La va prier pour, so activate your faith. Are you feeling a sickness in your body? Are you feeling some kind of a whatever it is? Hallelujah. High blood pressure, sugar, diabetes, cancer, because you heard the man of God mention cancer. Whatever it is that you may be fighting against right now, there's breakthrough in the name of Jesus. This minister that just spoke right there is somebody that I knew for years. He's somebody that stays in the word and he's a faithful man of God. It's not somebody that is speaking something or somebody that's trying to come out for people to know them, trying to do it in one day. But I've watched his ministry, I've watched him grow, and I've watched the Lord taking places. And so now he's going to pray for you, and then get ready to receive from the men of God right now. Pastor Franz, take over now. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For those that are listening to me right now, acknowledge that your miracle is at hand. Amen. Because the Bible said the kingdom of heaven is at hand right now. Amen. So in other words, the kingdom of God is taking authority over everything right now. The kingdom of God is now right now. The Bible teaches us in Matthew 6 verse 10, he let us know that kingdom come, that will be done as it is in heaven. Right now, as I'm praying right now, whatever sickness that you have in your body right now, cancer, whether you have high blood pressure right now, I'm speaking to you right now. High blood pressure, I'm speaking to you right now. I command you to live right now in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Lord. I speak earlier to migraines. Hallelujah. People that have migraine. And if you haven't, yes, Lord. Yeah. There's people right now, Lord, that have migraines in their head because of pressure of not finding work. Migraine, I'm speaking to you in Jesus' name. I command you to live now. I speak life. Jesus is life. He come to give life.
more abundantly right now. And I'm speaking to people who have spirit of depression right now. Yes, I come in, spirit of depression, spirit of depression, m'commando ale kunya, au nom de Jésus Christ. Amen. I release peace, hallelujah. Yes, I release joy. I release newness of God, hallelujah. I come in the pressure of the world to live the people of God. Oh, stand. Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. That was powerful. And if you have any kind of testimony you want to show or you want to tell us, I'm sorry, please, you can message me on Paola TV on Facebook. You can also text me 954-708-0614. And if you would like to invite also Pastor Franz 305-343-0077. And his ministry is Life Living Word Ministry. Yes. For Facebook, you can go and contact the pastor. Thank him for the word personally. While Facebook message him, tell him thank you. Thank you. Gen moun toujou ke bon Dieu a servi. Gen bon moun toujou de yo a servi ensemble avec yo. So also invite him, give him an invite to come to your church and minister those powerful teaching. And I'm sure we're gonna have him back on LTG. Amen. And he's gonna come back and finish with the preaching of the word. Well, that was all that we have for you today. And my name is Pastor Gene M. Dantas, and we need to louer and témoignage à gloire aujourd'hui. Et nous t'ayons avec nous Pastor Franz Miralus de Life Living Word Ministries International. And then a powerful ministry, a good man of God, a faithful man of God, and an anointed man of God. So thank you for watching LTG today. Pastor Gene, see you next time for another one like that. So, vivant, ou ta aimé passer tout ou ta aimé faire témoignage ou passer. Si vous êtes pasteur tout qui gon témoignage vivant, ou ta aimé faire passer sur LTG, fem koné, ensuite kounya la, n'a set up avec vous pour nous capable shooter interview. Que bon Dieu bénisse. See you. God bless you. Thank you for watching LTG. Bon Dieu bénisse.